Aujourd'hui, je vais dessiner Fernandelle jeune, avec donc, comme d'habitude, un crayon rouge, un crayon noir, deux crayons à papier, un gras et un sec, et un peu d'aquarelle Ecoline numéro 381 pour la couleur peau, ainsi qu'un peu de gris, de rouge et de noir. Comme toujours, je démarre par un premier brouillon de mise en place de la structure du visage. Alors bon, comme j'ai un peu d'expérience, je peux directement, effectivement, pas faire un portrait, mais démarrer par une caricature, même si ça ressemble à tout, sauf à Fernandelle. Mais, en fait, c'est très important. Voilà, maintenant, en ayant en tête le brouillon, je démarre la caricature proprement dite. Fernandelle fait partie de ces gens qui sont, ces figures, qui sont imprimées dans la rétine de tout le monde. On l'a tous vu depuis qu'on est petit. C'est quasiment un membre de la famille. Comme Bourville ou De Funès ou Galabru. Donc on ne peut pas se rater. Il faut être très très précis et faire quelque chose qui rappelle à tout le monde qui c'était. Alors j'ai choisi de dessiner Fernandelle jeune, ce qui n'est pas forcément sa figure la plus connue. Mais j'aime la difficulté. Les cheveux gominés, les yeux, on va dire des yeux d'asiatique pratiquement. Une grande, immense bouche avec une lèvre inférieure qui passe par-dessus les dents et qui donne une ombre assez caractéristique. Donc là, on peut voir, j'ai gommé un peu les traits qui dépassaient dans tous les sens. Et je repasse avec un crayon plus gras les ombres, les angles, toutes les zones un peu critiques. Un regard très doux. Maintenant, j'ajoute des ombres. Comme toujours, je regarde la photo et je refais pareil. Une fois qu'on a la structure du visage, on n'a plus qu'à recopier la photo en réalité. Mais c'est pas facile de trouver la structure. Maintenant, les collines 381 pures pour faire les ombres les plus marquées. Toujours en suivant la photo. Ensuite, un peu d'eau dans les collines, et voilà, les ombres intermédiaires. Je laisse quelques zones totalement blanches pour que ça brille, que ça donne du volume. Voilà. Je surligne de rouge des zones, des contours que je vais ensuite encore surligner de noir. Voilà. Un costard. Mon fond préféré, marron presque jaune, très brillant. Quelques retouches au crayon de couleur noire pour les ombres. Du rouge pour la peau, pour accentuer les principales ombres. Et voilà. Fernandelle jeune, réalisé en un petit peu moins de 20 minutes. Et n'hésitez pas à aller voir mon site, il y a plein de trucs.